Je suis l'empereur Xenos. Et je vous protégerai. Je vous protégerai contre la police. Ne vous inquiétez pas. Ah bah c'est. Ok bah c'est parfait. Vas-y go go go. Vous allez bien monsieur? Qu'est-ce que vous faites dans votre véhicule? Non derrière. Ça va et vous? Je suis l'empereur Xenos. Je suis Master. Xenos vous dites? Oui. Attendez. La police est en train de réparer son véhicule. Vas-y avance. C'est feu vert pour nous. Je pourrais la dissuader. Quelles sont vos activités? Actuellement, on a besoin de vous, monsieur Xenos, c'est ça? Exact. Ok, bah, on a besoin de vous, là. Vous pouvez rentrer à l'intérieur, là? Ah, mais ça ne fait que de moi. Vas-y, descends. Hi there. Pourquoi me braquez-vous cette arme? Je ne comprends pas. Alors, comment on se retrouve? Vous inquiétez pas, on va pas vous comment faire on se retrouve? C'est l'heure de collaborer. Écoutez-moi bien. Si vous me donnez l'argent, qu'il va nous écouter. Si vous me donnez l'argent, vous pourrez partir, vous faire choper et je vous rendrai l'argent. Comment ça? Je travaille aussi pour Nick Fury. Vous pouvez prendre mon téléphone dans ma poche droite. Pas pour Nick Fury, je sais pas qui c'est. Mais l'homme en jaune, l'homme en jaune. Est-ce que je peux répondre à mon téléphone? Non. S'il vous plaît, ça fait longtemps que j'ai pas répondu. Je vais lui parler. J'appellerai jamais à la propos. Rapprochez, je vais lui parler vite fait. Bah, écoutez-moi, monsieur, c'est quoi votre prénom? Attention, ça va exploser. Reculez, attention. J'ai mis des explosifs. Monsieur, rappelez-moi votre prénom. Je suis l'empereur Xenos. Ok, empereur Xenon, écoutez-moi. Vous allez faire tout ce qu'on vous dit, ok? On va rien vous faire de mal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grimper une grue, ok? Vous verrez, juste pour l'instant. Vous allez nous suivre, et ensuite, une fois qu'on sera en haut de cette grue, vous serez relâché, tout simplement. Ok. Mon collègue va grimper en premier. Vous savez ce qui se passe? Ouais, je viens de sortir de prison parce que je viens de faire la même chose que vous avec votre collègue derrière moi. C'est vrai, vous êtes du métier? Pas du tout. Je suis du métier, absolument. Mais comment ça, mon collègue derrière vous? Pourquoi vous m'avez dit comment on se retrouve? J'ai pas dit ça, je reconnais vos vêtements. Si, vous avez dit ça. Ouais. Mais il n'y a aucun problème, je ne travaille pas avec les officiers de police, ce sont mes ennemis. C'est vrai? Attendez, ça veut dire que vous êtes du métier, vous? Je suis du métier, je suis prêt à et collaborer. Et alors, vous avez réussi? Non, malheureusement, j'ai... Oh! Non, malheureusement, j'ai craché mon véhicule dans l'eau. Ah ok. Bon, écoutez-moi, en fonction de ce qu'on fait là, en mallette, vu que vous êtes un collègue, on va vous donner un petit pourcentage, ok? Non. Je dirais 2%. Vous êtes en train de négocier là. Je dirais 1,5%. Monsieur, je peux vraiment pas. 3% ou désolé, sinon ça sera 0. 1% et on n'en parle plus. On coupe la poire en deux, 1,5. 1,3. 1,3% c'est noté, je vous laisserai faire le calcul. Très bien. Eh, viens voir, est-ce que je peux répondre à mon téléphone s'il vous plaît? Ça dépend, jamais j'appellerai. Vous me dites qui c'est. Oui, attendez. Qui c'est? C'est sûrement mon acolyte, Doberman. Ok, allez-y, décrochez. Vous dites que actuellement vous êtes en train de. À une soirée. Je vais faire des négociations, poser les armes. Oui, alors? Allô. Mystérion. Oui. Vous êtes disponible? Dites-moi. Reculez, vous êtes trompé, reculez. Vous parlez. Il y en a encore un braquage de banque. Qu'est-ce qu'il vous veut, votre collègue? Ah oui, qu'avenue! Venez vite, s'il vous plaît. J'arrive. On a vraiment besoin de votre aide. Et je tenais à vous informer qu'on a enfermé votre pire cauchemar, votre pire ennemi. L'empereur Xenos est en ville. Non. Si, il est là. Vous êtes infaillible. Faites attention. Merci. Je vous protégerai, Mystérion. Merci. Je serai toujours là pour vous. Merci à Agent Giorno. Dites-lui que je passe le bonjour. Ah bah c'est retard. C'était un agent de police, Agent Giorno. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il cherche à contacter Mystérion, le super-héros. Si vous le croisez, il risque de bougez vous... Bougez pas, je vais vous chercher l'otage, il va vous parler. Recadrez quoi. Ok, attends. Il est avec des officiers de police. Ne serait-ce que 1 mm. Ok, attends. Parce qu'il faut que je parle avec lui aussi. Attends, viens voir, Curtis. Dites-moi. C'est ça ton prénom, non? Moi? Ouais, mais Xenon. Ils sont là, il y a les condés. Écoute-moi, tu négocies. Dans une seule négociation, tu leur dis, ouais, pas de herse. Et même l'hélico, on s'en bat les couilles si vous voulez, mettez un hélico et tout. Mais juste mettez, on veut pas de herse. Juste pour vous faire confiance, on va garder l'otage pour même pas 500 mètres et ensuite on le relâche. Ok, c'est surtout les herse qu'on veut pas. Ouais. Pas de barrage ni rien aussi. Ok, allez-y, monsieur Farxinus. Eh bien, je vais vous montrer comment mon acting est incroyable. Attendez, ok. De faire rentrer le médecin, dites qu'on vous a parlé de pas. Non, et après on laissera rentrer le médecin. Non, s'il vous plaît. Non. Et toi, je suis l'empereur Xenos. Tu la fermes. Bon.
Nos revendications, c'est qu'on va garder l'otage avec nous quand on va sortir de la banque. Il faudra juste aucun barrage, aucune herse. J'ai noté, aucun barrage, aucune herse. Ils demandent juste de partir tranquillement avec l'otage. Ok. Ils ont été très gentils avec moi. Très cordial. C'est louche, on est d'accord. Vous m'entendez, officier? On t'a pas demandé de parler, Pardon. On t'a pas demandé de parler. Donc nos revendications, c'est pas de barrage, pas de herse, on vous rendra l'otage 200 mètres après. On enlève tout, mais par contre, vous laissez l'otage ici, d'accord? Non, on peut pas laisser l'otage, on vous le rend dans 200 mètres pour juste prouver notre bonne foi. Non, non, vous devez laisser l'otage ici. On peut pas le laisser, je suis désolé. Eh ben, on peut pas vous laisser partir dans ce cas-là. Eh ben, vous pouvez même mettre un hélicoptère, y'a pas de soucis, mais on repart avec l'otage sur 200 mètres et on vous le dépose. Non, non, l'otage reste ici. Mais comment? On peut pas vous le laisser, on vous le laissera pas. Donc vous pouvez mettre un hélicoptère, comme ça vous pourrez. Mystérieux. Oui. J'ai l'empereur Xenos, viens voir. Il est en face de moi, il est dans la banque. Ah bon? On t'a pas demandé de répondre au téléphone. Vous m'entendez? Oui, attendez, je vous rappelle. Viens voir. Bouge pas. Vous nous entendez? Écoutez. Viens, Xenos. Je viens avec vous. Viens avec vous. Bon, écoutez. Reviens, masque noir aussi, viens. Ok, tu leur dis, écoutez, on garde juste l'otage, on garde juste l'otage juste pour voir s'il n'y a pas de herse et après on vous le relâche. Tu leur dis juste ça. S'ils voulaient, s'ils veulent, ils mettent un hélico, comme ça ça prouve notre bonne foi. Ok, bah vas-y, force, allez-y, retournez, Farx Xeno. Alors, on a dit, si vous laissez l'otage, on retire toutes les herse et les barrières et vous pouvez partir tranquille. Nous, notre besoin, c'est de gagner. On négocie déjà les barrières, c'est déjà très bien. Fais-moi une seconde, je suis en plein braquage. On vous laisse partir complètement, mais il faut laisser l'otage, d'accord? Sinon, vous allez finir en prison. Vous n'avez pas vraiment le choix, hein. Vous pouvez pas vraiment négocier, vous êtes encerclé. Bon, on a un otage quand même. Oui, justement, vous voulez vraiment la mort d'un otage sur votre conscience? Tranquille. Votre chef veut vraiment la mort d'un otage sur votre conscience? Non, s'il vous plaît. Et vous le laissez ici? Et vous partez tranquille, qu'est-ce que vous voulez de plus? Officier, s'il vous plaît! Vous voulez qu'on vous tue? S'il vous plaît, ils vont me tuer si vous refusez, ils vont me tuer, s'il vous plaît! Eh, écoutez-moi, on va partir, vous allez crever nos pneus, alors on veut juste comme non, ça, juste si vous pour être sûr comme ça. On vous promet non, vous ne pas confiance, les pneus. On vous fait pas confiance, c'est mort, c'est mort! Eh ben écoutez, j'appelle le capitaine, si vous voulez un assaut, ça va partir en assaut, faites gaffe! Voilà. Et pourquoi est-ce que vous voulez? Voilà, vous voyez quoi, c'est bon, vous voulez pas négocier bien comme il faut? Non, vous voulez mettre un hélico, comme ça au moins vous êtes sûr, comme ça ça fait absolument rien entendre, capitaine! Je suis un peu occupé, excuse-moi! J'ai tout essayé, j'ai déjà expliqué qu'on était généreux à tout enlever. On le garde juste pendant 200 mètres, c'est tout, 200 mètres. Après on le relâche, c'est tout, c'est juste pour voir si on va pas se faire crever les pneus directement. Ils veulent partir avec l'otage. Dites-leur que l'otage est l'empereur Xenon, dites-leur ça. Dites ça à votre capitaine. Dites à votre capitaine que c'est l'empereur Xenon qui vous parle. Ils vont me tuer et Xenos va vous s'abattre sur tout l'univers si vous me tuez. Je suis son fils. Bon, les négociations sont à l'arrêt, capitaine. Ils veulent rien entendre. Écoutez, nous on vous a dit, on est prêt à faire un papa vers vous, on vous laisse carrément un hélico, c'est juste pour être sûr qu'on va pas être crevé, qu'on va pas se faire crever les pneus. On va le relâcher 500 mètres, on vous le promet. Il veut rien avoir, l'otage. Bien. N'avez pas de mauvaises personnes. Vous permettez que j'aille parler à l'officier 2 minutes? Vous pouvez garder l'otage, mais vous le relâchez sur les 200 mètres. Promis. Dites à votre capitaine que je suis l'empereur Xenos. Allez, c'est bon. Sur les 200 mètres, promis, vous nous le redonnez. Okay, on s'écarte, on vous laisse partir. Ok. Dites-moi bon, tout. Bah, attends deux secondes. Viens, masque noir. Hi there. Écoute, je vais monter en premier, comme ça tu sauras le chemin à suivre, ok? T'oublies pas, hein, tu nous suis, tu montes l'échelle. Si tu vois une échelle, tu montes dessus, ok? Moi? Ouais, ah, Farx Xenon. Donne-moi l'arme. Comme ça, si tu te fais péter, tu prendras moins. Ah ouais, tiens, il va me soigner. Oh, excusez-moi, mais les forces de l'ordre font n'importe quoi. Vous êtes dans le copain? Moi, je veux bien un petit soin, là. J'ai un peu mal au dos, pour être honnête. Ouais, j'ai un truc à tester, moi, en plus. Ça tombe bien, j'ai synthétisé une molécule. Quoi, vous voulez nous droguer pour, Non. Alors vraiment, j'ai rien à voir. Est-ce que j'ai le droit de déposer mon argent dans la banque pour en profiter d'une pierre de coups? Allez-y, vas-y, tiens-le. Attends. Hi there. Oui, allô? Je suis en train de me faire braquer. Excusez-moi, où êtes-vous? Envoyez-moi votre position. Je suis dans une banque là, je me fais braquer. Attends une seconde. Une banque? Oui. Mais je crois que je suis à la banque. Ok, très bien. Bonjour. Pourquoi y a-t-il une vache? Deux vaches. Oui, bah laissez les vaches tranquilles.
à tout à l'heure. Attendez, mais regardez, regardez mon costume, j'en ai un nouveau. Oh. Attendez, je vous montre à la fenêtre. Vous avez besoin d'aide ou pas, les gars? Vous avez besoin de vous... Non, c'est bon, c'est bon. Non. C'est pas votre otage, celui-là. Les gars, si vous avez besoin d'aide, voici mon acolyte. Ok, moi, c'est pas votre otage. Bon, je vous laisse tranquille. Il peut, vous pouvez avoir deux otages si vous voulez. Ça peut être votre deuxième otage. Bon, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon. Allez, on va monter. Ok. Non, s'il vous plaît, tirez pas, monsieur le capitaine. Je suis l'empereur Xenos. Pour l'empereur Xenos. Je suis l'empereur Xenos, ne tirez pas. Vous êtes cerné, si vous bougez. Montez, montez. Attendez, 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 attendez. J'essaye même pas de tirer. Pour l'empereur. Ok, tu nous suis, hein. Ok, Xenos. Je vous suis, Xenos, je vous suis. Le plan compte sur toi, là. Ok. En gros, tu montes l'échelle, et une fois en haut, tu bouges plus. Tu montes l'échelle en dernier, en dernier, en dernier. Ouais, ouais. D'abord, je monte, ensuite mon collègue. Ça marche. Ah, oh, j'ai trop le seum. Ok, c'est bon. Ouf, très bien joué ça. Ok, c'est cette échelle là devant, tu vois, pas la grande bleue. Ok, go 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 go. Ah 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 ah. Allez-y, à moi. Ah. Ils ont tué l'otage. Oh là là, mec, putain. Vous m'avez tué, officier de police. Ah, monsieur, vous êtes inconscient ou vous êtes... Je suis... coma. Ah. Bon, bah... Je vais vous réanimer. Ah bah non. Bah, je vais pas le réanimer. Ah oui, merci le yinche. Oh là là, t'es tellement meilleur. Merci le yinche. Je le réanime. Ils ont réussi ou pas? Bon, je vous ramène, je suis gentil. Je vais pas prendre un coup de taser, on va rester tranquille. Hein. Allez, on reste avec moi. Hein. Allez, gars. Accroche-toi. Pense à Mysterion ou je sais pas qui là. Allez. Bon, Mysterion, terrible ennemi. Il faut que je me lève pour le tuer. Oh, c'est ouf, ils sont en train. Le capitaine vient de tomber. Le capitaine vient de tomber la grue, ça va pas du tout, hein. Je m'occupe de lui, je m'occupe de lui. Tu veux que je monte? Ça sert encore ou pas que je monte, les gars? Ça va? Bah. Merci, monsieur. Ok, on va rester tranquille, on est d'accord. En fait, je peux répondre à mon téléphone? Non. Oui, monsieur Xenos. Oui, allô? Vous m'avez vu, monsieur Xenos? J'étais devant. Je vous ai vu, j'ai témoigné. Okay. Vous m'entendez? Je dois témoigner. Surtout, raccrochez pas, j'ai des monottes là. Surtout, raccrochez pas. Où êtes-vous? Je suis monoté là, devant une grue, et ce monsieur vient de me réanimer pour me monter. Une grue? Je vois des grues là-bas. Oui. Attendez. Venez vite. J'arrive. Bah, restez au téléphone. Hein, je reste au téléphone, surtout, raccrochez pas. Inquiétez pas. Car je suis menotté, mais j'ai réussi à garder le téléphone dans mes monottes. Excellent, bien, monsieur Xenos. C'est bien, je repars, je cherche le capitaine. Xenos, oui. Je comprends pas plus où il est tombé. C'est un fou, c'est un fou. Je suis dans une voiture, c'est un fou. Vous êtes dans une voiture de police? Oui, dans une voiture de police, là. Attendez, bah j'arrive au commissariat. Ils vont vous amener là-bas, non? Non, j'ai l'impression que là, ils m'emmènent dans une course poursuite. Ah, comment ça? Une course poursuite sur l'autoroute. Oui, dépêchez-vous, venez sur l'autoroute, venez me chercher. Au nord de la ville ou ça? On est sur une autoroute à côté des grues. Une autoroute? Bon, vous allez raccrocher ou je vous mets un coup de taser? Ouais, j'aime beaucoup le taser. Monsieur, il va me redonner un peu de force, tiens. Ah, d'accord. Bah, restez éveillé, quoi. Faites ce que vous pouvez. Je cherche. Vous, parce que sinon il va me mettre un coup de taser. Non mais... Ah. Sortez du véhicule. Bah, vous pensez que vous allez au commissariat après? Vous allez raccrocher? Je raccroche. Très bien. Je vous attends au commissariat. Ça arrive. Monsieur, vous m'avez écrasé. Non mais je n'ai pas écrasé, j'étais pas là. Je suis un otage et vous m'avez écrasé. Bon, capitaine, je pense qu'il faut pas. Merci, monsieur capitaine, merci! Je pense qu'elle a donné notre position. Oui, bien sûr, mais démonotez-le là, il est otage lui. Merci, capitaine, vous êtes bon. Ah bon?
Oui, bah oui, il est otage. Mais oui, je suis otage, monsieur. Fouillez-le, prenez ce qu'il a et qu'il se casse. J'ai rien, je viens de sortir de prison, monsieur. Oui, mais... Vous avez compris l'appel. Allez-y. Les avez réussi à rattraper les... Non, pardon. Écoutez, vous, patron. Faites mal votre travail. Oui, qu'est-ce que vous foutez? Oh, violence policière. Vous rentrez dans la foucale alors que l'otage n'est pas parti encore. Violence policière. Violence policière. C'est pas un policier. Voilà, on est en live, mesdames et messieurs. Et ces policiers sont en train de faire n'importe quoi. Je suis otage de cette situation. Regardez le capitaine, comment il est amoché. Regardez comment il est amoché. Mais c'est un vrai guerrier. En fait, il y avait une banque, et ils n'étaient pas encore partis. On était en train de faire le... Ah, c'est mieux. On m'avait dit qu'il fallait prendre soigner le mec par terre. Qui vous a dit ça? Non, mais après, on avait peut-être contredit ses ordres par la suite. Bah, c'était moi, le mec par terre. Mais voilà, moi, j'ai voulu bien faire. Hein. Moi, j'ai demandé d'aider. Vous savez que la police, je vais l'attaquer en justice. Elle m'a écrasé lorsque je suis sorti du véhicule en tant qu'otage. Mais non, mais personne ne vous a écrasé. La police m'a écrasé. Oui, je m'en occupe, oui, je m'en occupe. Êtes-vous sûr que c'était la police? Absolument, 100%. Attendez. Vous savez quoi? Regardez, prenez ça. Donnez-moi un pistolet. Oui, donnez-moi un pistolet. Voilà, hop, c'est oublié, d'accord? Ce qui s'est passé? Génial, merci beaucoup. J'adore. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Rien. Ok, merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Merci, et bon courage pour la suite. Super capitaine. Allez. Oh, du Viagra, j'adore, merci. C'est pour les muscles. Pour les muscles. Tout à fait, Charlie, vous avez tout compris. Pour les muscles, ça. Et bon courage. Hein. Oh! Capitaine! Venez avec nous, venez. Oui, sortez-moi d'ici, on est en pleine autoroute, s'il vous plaît, pour l'empereur Xenos. Et le docteur Traoult, là? Oui. Docteur Traoult, où est votre véhicule? Vas-y, montez, docteur Traoult. Docteur Traoult? Non, j'ai mon ambulance à côté, vous inquiétez pas. D'accord. Comme vous allez pas traverser à pied? Oh, vous savez. Eh, on est juste à côté de vous, hein. On est juste à côté de vous, besoin de parler avec la radio. C'est pas super bien tombé quand même. Je rentre dans une voiture. D'accord, très bien. Bah écoutez, bon courage. Les mecs sur bon courage. Juste en sécurité, justement. Ok. Vous le déposez où exactement? Je dépose à votre ambulance si vous voulez. Voilà. Si vous voulez, vous le posez de l'autre côté. Regardez, je suis garé juste à gauche là. Okay. Bah montez avec nous, tant qu'on y va. Comment vous eh si peut vous aider, c'est que le docteur. Les gars, j'ai une amende de 20 000 balles à payer. Un éminent professeur. Je prends les 20 000 balles. Ouais, je suis sur des recherches en ce moment, ça se passe pas mal. Vas-y, je pense que... Cette personne... C'est quelle personne qui vous a appelé le docteur Traoult? Quelle personne? Je sais pas, un fou. Témoignez! Mais oui, témoignez, Charles. Témoignez! Allez-y, Charles, vous y allez. Merci. Bonne soirée. Maxinus. Red Velvet, votre tenue et votre masque. Vous aimez bien mauvais. Attendez que je vous montre en entier, regardez. Que pensez-vous de cet accoutrement? Merci, monsieur. J'ai sorti d'une sacrée merde, vous. Oui. C'est lui qui m'a dit de venir ici. Docteur Traoult, c'est lui? C'est lui. Lui-même, là. Vous êtes Docteur Traoult? Ouais, c'est vous. Vous êtes le Docteur Traoult? Ah, le vrai. Incroyable. Donnez-moi vos coordonnées. Pas l'invitation précédente encore? Donnez-moi vos coordonnées. Il est très sympathique. 555-0154. Attends. 0154. Très sympathique. Vous pouvez donner votre également. Vous pouvez répéter votre numéro. 555-0154. 0154. Que s'est-il passé, Xenos, si tu me raconteras? Oui, je vais te raconter. Vous pouvez me donner les vôtres aussi au passage. Moi, je vous l'ai déjà donné. Je vous donne le mien. Je suis empereur Xenos. Ouais, je vous ai déjà écrit. Et 555-1354. Formidable. Empereur Xenos. Oui. On pourrait peut-être aussi avoir besoin en tant que supérieur. Oui, attendez. Au cas où, si vous voulez contacter Mysterion, c'est le même numéro. Mais c'est pas les mêmes personnes. Hein. C'est pas les mêmes personnes. J'ai écrit à peu près ça, hein. Mysterio, enfin je crois, un truc comme ça dans les contacts. Par contre, excusez-moi. Vous avez quand même retrouvé votre pote là. Peut-être un petit geste à faire, non? Je n'ai peut-être plus d'argent, c'est-à-dire que j'ai payé deux fois une facture. Attendez. J'ai ce qu'il faut, t'inquiète pas. Je lui donne un petit peu et tu lui donnes un petit peu. Tenez, 2000. Ah, c'est très bien.
Donne-lui aussi, Mister... Xenos. Ouais, Xenos, bien sûr, le fils de l'empereur. Vous m'avez donné à moi. Oui, donné. Je le redonne. Je m'écarte un peu. Ne vous écartez pas, ne bougez pas. Je sais ce que je fais avec ce corps. Attendez, juste, je tripotais mon portefeuille. Tenez. Super, merci beaucoup. Tenez, moi, il est panique, le docteur. Oh, des trousses de soins, peut-être. Trousses de soins, c'est compliqué, c'est très demandé, mais... Par contre, je peux vous donner ça. C'est une nouvelle molécule que je viens de synthétiser. Ça s'appelle la chloréquine 1.3. Dès que vous allez mal, essayez d'en prendre, vous me tiendrez au courant des potentiels effets que ça fait. Ah oui, je vous en supplie. Il est possible qu'il y ait 2-3 petits effets que je ne maîtrise pas. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce qu'il en retourne. Merci, docteur Traou. Ah, il est si gentil. Allez, c'est sûr. Arrêtez de vous faire prendre, j'ai l'impression de voir si le trajet revient. Ne vous inquiétez pas. Allez. Allez, c'est parti alors de mon accoutrement. Tu m'as même pas dit. Écoute, il faut vite qu'on aille se changer. Mais je ne peux pas. C'est-à-dire que j'en ai encore pour un certain nombre de minutes comme ça. Un certain temps. Avec ma force surhumaine, je vous ai sorti de la prison, si j'ai bien compris. Comment dire? Vous m'avez envoyé au centre de la Terre. J'ai traversé. Heureusement qu'un médecin est arrivé pour me secourir. Oui, mais j'étais vraiment bien envoyé. J'ai appelé ce médecin. Vous m'avez moi aussi j'ai fait un appel. Mais okay. Vous m'avez vraiment... Combien de temps il vous reste? 27 minutes. C'est-à-dire que le capitaine Dildoy m'a remis 45 minutes. Il m'est vraiment baisé dans mon cul. Et ça descend ou ça reste bloqué? Ça descend, mais je ne sais pas ce qui se passe à la fin. Très bien. Eh bien, pour le moment, vous êtes Baptiste, ok? Je vais mettre ma tenue de Jean. Non, je suis Baptiste. Vous n'avez pas de masque, vous êtes Baptiste. On y va, monsieur Xenos. Bon les gars, j'aimerais bien recruter là, putain, mais c'est infernal, y'a personne sur le serve, mec. Attendez, peut-être que je peux me changer, non? Oh, je crois que je peux. Ah bah voilà, mettez-vous en mystérieux. On peut vraiment vous les dire. Ok, ce sera ça, le nouveau déguisement de Doberman. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je ne contrôle pas mon corps. Non! Baptiste prend le dessus. Rien à faire. Je suis Baptiste. Je n'y arrive pas. Je suis Jean. Jean-Clanche. Allez, on y va. Oui, monsieur Jean, tout de suite. Baptiste prend le dessus. Je n'arrive pas. C'est une voiture empruntée, bien évidemment, je ne l'ai pas volée, je suis Baptiste. Oula! Oh! Il nous faudrait peut-être un véhicule civil, qu'en pensez-vous? Jean? Direction la banque, on va faire un prêt. D'accord. Mais... Un prêt ou un emprunt? Un prêt? Un prêt ou un emprunt? Un prêt? D'accord. Non, j'ai cru, parce que là, je peux... Je crois pas que je sois habile pour faire un emprunt. Comprenez? Ah oui, ça je sais. Oula. Et vous... Ah bah, vous ne m'avez même pas raconté que ce qui s'est passé quand je vous ai laissé à la prison. Quand je vous avais... Alors c'est simple. Je sors de prison. Oui. Et je rentre dans une voiture. Et ils m'ont utilisé comme otage. Vous vous rendez compte? Collaborateur, vous voulez dire, comme nous. Exactement. Ah oui? Et pourquoi ont-ils fait ça? Vous savez pas qui vous étiez, peut-être? Ah merde, Les gars, j'ai déposé 18 000, Baptiste n'a vraiment plus d'argent, il est vraiment à sec. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des faux? J'ai seulement 10 000 sur moi. Et vous, Jean? Je vois. Je suis à sec. Pareil, il faudrait vraiment qu'on... moins 6 000, emprunte. Ah, okay. Emprunter, okay. Pardon. Voilà. 575, oh putain. Quel dommage. On peut emprunter ou pas, les gars? On peut emprunter ici ou pas? Bah, comment dire, on n'a pas de collaborateur, ça va être compliqué. Il nous faudrait peut-être un collaborateur. Ok.
Mais moi, je peux vraiment rien faire. C'est-à-dire que... Regardez mon accoutrement, on va vite être repéré. J'ai bien peur. Non, non. Attendez, je check juste combien de personnes encore il y a sur le serveur. Okay, vous ne montez pas ? Je sais que c'est hors RP, les gars, mais... En fait, je vais pas me retrouver comme hier, là, à courir après les gens. Ça me gratte. Parfait. Que faisons-nous, monsieur Jean ? Allons chercher un véhicule plus sobre, non ? Qu'en pensez-vous ? Je sais pas, il nous faudrait soit un métier, soit... Soit ? Oula ! Y'a pas de casier. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vous tapez sur le tableau de bord ? Je tape sur le tableau de bord. Je réfléchis. Ah. D'accord. Y'a le chat, aidez-moi là ! Peut-être que la police pourra m'aider à changer mon accoutrement, non ? Vous ne pensez pas ? Oui, bonne idée. Parfait. Allons-y. Je vous laisse parler. Je suis un peu timide. Vous ne venez pas ? Trop marrant quand il appelle. Y a-t-il quelqu'un ? Excusez-moi. Quand il appelle. Mieux de partir, hein, ces personnes. Monsieur ? Non, c'est bon, ils ont répondu à l'appel. Parfait. Bah, je les attends. J'ai pas envie de rejoindre la police, les gars. Asseyons-nous ici, non ? Qu'en penses-tu, Jean ? Oui. Agent, t'es là ? Attendez. Voilà, parfait. Alors... Asseyez-vous à côté. Oula ! Ils m'ont l'air énervé, eux. Monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour. Venez entrer. Bonsoir. Comment allez-vous ? Coucou le chien. Je m'appelle Jean. Attendez, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Vous allez bien ? Et voici Baptiste. Monsieur, bonjour. Baptiste a un problème. Comment dire ? Je n'arrive pas à changer de vêtements. Pourriez-vous m'aider à me déshabiller ? Ces vêtements, ça te parle, Panis ? Ben, oui, Panis, c'est moi, c'est mon nom. Panis. Oui, bonjour, pourquoi ? Panis. Oui, bonjour, Panis. Bonjour. Venez avec moi, monsieur. Venez. On va aller regarder en bas au niveau des cellules. De Panis, s'il vous plaît. Parce que je pense que vu qu'il a les vêtements là, c'est. Vous êtes changé ici, monsieur ? Il y a eu un petit problème tout à l'heure. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème tout à l'heure. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel problème ? Un pouvoir, il a des pouvoirs, oui. Mon ami Jean. D'accord. Enfin, il faut pas le dire, mais pouvoir. Il en a. Non, il en a pas, mais il en a. Vous comprenez pas. Comment ça, votre ami Jean ? D'accord, je suis là. Jean, oui. Et ça, c'est. Ah, vous vous appelez Jean ? Parce que je m'appelle aussi Jean, du coup. Ah bon ? Ah oui. Non, je parlais à ce genre-là. D'accord, parce qu'on a un peu la même coupe en plus. Il a des pouvoirs, ce Jean ? D'accord. Vous avez des pouvoirs ? Jean, Jean. Moi, c'est Jean Alain. Ici, Jean. Lui, c'est Panis. C'est lui, Jean. Alain. Enfin, c'est Alain. Alain Panis. Jean, c'est lui. Moi, c'est Jean Neymar. Ok. Ou c'est lui. Donc, je disais, Jean qui a des pouvoirs mais qui n'en a pas m'a envoyé dans l'hyperespace, quoi, le centre de la Terre. D'accord. Et. Comment dire, je suis revenu à moi, un peu compliqué à suivre. Oui, non, mais je suis jusque-là, allez-y. Enfin, il n'y a pas envie de jouer comme avant. Et je me réveille, il est impossible de changer de vêtements. C'est pour ça qu'on est venu ici. Okay. Est-ce que je peux comprendre ? On va aller voir ça en bas. Merci beaucoup. On va voir ce qu'on peut faire. De prendre une autre tenue que vous aviez déjà faite. Oui, aussi. Rien aussi. À faire ? Rien à faire. Oh. Atroce. Oh. Jean en a marre, il n'aime pas mon accoutrement. Il trouve ça ringard et j'ai les oreilles qui sifflent. C'est-à-dire ? Non, bah non. On pourrait croire, évidemment, on vous fait confiance, évidemment. Attends, je vais appeler ça. J'espère que vous n'allez pas nous décevoir. On va faire un essai. Vous allez enfiler une. Allô ? Et puis, il est là. J'attends. Je me mets devant la porte. Qui est à l'appareil ? J'attends. Oui, qu'est-ce que vous faites là ? Oui, je m'en vais. Je Non, vous allez avec votre ami ? Allô ? Non, je m'en vais. Vous êtes sûr ? Bah si vous partez, vous partez sans votre ami. Vous m'inquiétez. Allô ? Allez, bien loin, tellement loin de ça. Je m'en vais là, ok ? Toujours là, hein. Oui, je m'en vais. Vous me faites un peu peur, allô ? Vous êtes bizarre, vous. Pardon. Je crois que vous m'avez appelé dans votre poche. Allô ? Non. Attendez, donne-moi une seconde. Foot Daniel, c'est bien ça. Oui, c'est moi, c'est Daniel Croûte. Allô ? Ok. Attendez.
On fait du J'attends. Masque. Ok, ici Mysterion. Ah oui, effectivement. Oui, bonjour. Ok, vous êtes toujours prêt pour faire la demande de stage? Alors, il se passe beaucoup de choses là, mais oui. Ok, quand est-ce que vous êtes disponible? Quand est-ce qu'on peut se voir? Eh ben, ça va dépendre des 15 prochaines minutes qui vont être décisives, je pense. Ça va dépendre de si on garde notre stage ou pas. Ok. Vous faites un stage où, là, actuellement? On est chez Donatien. Très bien. Vous voulez que je vous évacue? On est vignoble. Pardon? Vous voulez que je vous évacue? Non, on fait des deals. Vous dealez? Parce qu'on a des infos et tout. Non, des contrats, on fait des contrats. Pardon? Des contrats. Allô? De quoi? Oui. Non, j'écoute. Je suis au téléphone, monsieur. Si vous permettez. Je vous permets. Je suis au téléphone, attendez. Oui, allô? Allô? Oui. Est-ce que vous avez une voix qui est très changeante quand même, hein? Monsieur, vous faites quoi par ici, là, exactement? Hein? Mais il me prend tout mon temps! Allô? Excusez-moi, monsieur, je suis au téléphone. S'il vous plaît, laissez tranquille. Laissez-moi tranquille. Mais laissez-le tranquille, il me parle! Allô? Laissez-moi tranquille! Je vais venir à mon avocat! Oui, Daniel Groot! Oui, c'est moi, Daniel! Okay. Appelez-moi si vous avez besoin d'un stage. D'accord. On a besoin d'un stagiaire dans 10 minutes, quelque chose comme ça. 13h54. D'accord. 10 minutes, bah très bien. Très très bien. Voilà. Je vous appellerai, je serai avec mon cousin Antoine. Il veut être un stagiaire aussi? Oui, on est Antoine et Daniel Croûte. Très bien. Oui. Essayez d'avoir un costume et un masque. D'accord. Et bah on cherche ça et puis on vous rappelle. Ok, on vous appellera sous le nom de... Agent Croûte. Agent Croûte, ok. Bon, on est deux Croûtes quand même. Ok, le duo des croûtes. Oui, très bien. L'incroyable duo des croûtes. Bon, ça sonne bien, moi, je trouve. Ça sonne bien. Ok, et ben on fait ça, alors. À tout à l'heure, j'attends votre appel. Au revoir. Oui, allô Jean? Oui, tu es où? C'est-à-dire que j'explique le problème de tes super pouvoirs qui n'en sont pas et de mon cas où je n'arrive pas à changer de vêtements. Alors qu'est-ce qui se passe là? Parce que moi j'ai des stagiaires qui sont prêts dans 10 minutes là. Ok, bah je pense que je vais rester en tenue comme ça. Oui, et bah, ça va pas faire bonne allure hein, devant les stagiaires. Oui, mais tu diras que c'est pour un roleplay. Enfin, tu inventes une histoire où j'incarne un héros bizarre, je sais pas. Quelque chose comme ça. Tu veux dire un roleplay? Un role... Oui, tu sais, les mecs qui s'attachent, des trucs comme ça, là. Ok. Ça te va, Jean? Combien de temps encore? 16 minutes. Mais tu vois, là, je pense que je vais quitter le commissariat. Excusez-moi, je suis pressée. Tu veux que j'appelle le capitaine pour qu'il t'enlève 700? Il est là, le capitaine, et il veut me remettre 45 minutes. Donc, il est où, non, le capitaine? Je ne l'appelle pas. Il est où, le capitaine? Commissariat. Il est où? C'est près du parking? À l'intérieur, descend, en bas. Excusez-moi, je dois raccrocher, il me harcèle, allez-y, il me menace. Raccrocher. À tout à l'heure, Jean. Pourriture! Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, ça va? Monsieur Thomas? Oui, bonjour. Vous avez besoin d'aide? J'ai mon ami à l'intérieur, je suis en train de l'attendre, mais si je peux vous aider, je suis un bon citoyen. Ah, bah d'accord, montez à l'arrière de la voiture. Ah, génial. J'ai toujours rêvé de monter à l'arrière d'une voiture de police. Ah oui, ah, vous verrez, il y a beaucoup d'actions ce soir. Hein. Je sais pas pourquoi, il y a un nombre de braquages devant qui est incroyable. Ah, vous avez entendu de ces super-héros? Apparemment, il y a des super-héros en ville. Ouais, mais il y a aussi des super-vilains. Oh non. Apparemment, le super-héros a disparu. Là, ça fait un petit moment que j'ai plus entendu parler de lui. Je suis un peu inquiet, je vous cache pas. Oh non, comment s'appelle-t-il? Le super-héros? Non, le super vilain, oui, je crois qu'il demande. Ah, le super vilain, il s'appelle Maître Xenos. Mais le super héros, celui qui protège Los Santos, il s'appelle Mysterion. Oh non, pas Mysterion. Comment ça, pas Mysterion?
Bah, tu m'avais dit qu'il a disparu. Attends. C'est moi ou il y a un détenu là derrière? Il y a un détenu là. Non, non, c'est mon ami. C'est mon ami. Comment ça, c'est votre ami? De quoi? Non, c'est mon ami, il a un problème. Non, non, écoutez, s'il vous plaît. Oui, c'est normal. Il faut y aller, Jean. Attendez deux secondes. Jean, il faut y aller. Ils m'ont autorisé à partir. Il faut y aller. Oui, Captain mais est-ce qu'ils t'ont cette peine, là? Vous avez encore la tenue. Oui, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je me suis arrangé. Excusez-moi, je suis au téléphone, je dois appelez votre capitaine, parce que non, là... Non, c'est bon, c'est il m'a laissé pas. Non, ça commence à m'énerver, hein. Non, 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 mais vous avez encore... Jean, comment te dire que si je reste encore 5 minutes de plus, j'y retourne. Ah non, vas-y, on s'en va. Merci beaucoup, Jean. Non, mais, merci, mais, messieurs les officiers. Appelez votre capitaine. Monsieur, s'il vous plaît. Appelez le capitaine, Non, arrêtez. Monsieur docteur, capitaine. Attendez, vous foutez ma gueule, je vous ai dit de partir dans 5 minutes. On essaye de partir, mais on se fait empêcher. Oh non, dépêche-toi, non. 7, 6. Dépêche-toi. Plus vite que ça, Jean. Non, démarre-toi, ça n'ira pas. Vite la ceinture. Non, qu'est-ce que tu fais, Jean? Je peux pas y retourner. Je suis arrivé au feu rouge. Merde. Non, arrête, Jean, pitié. Arrête, Jean, s'il te plaît, je veux vraiment y aller. Voilà. Bitches. Salut les gros bâtards. Oh putain, pourquoi t'as fait ça? Ah. Aïe. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean? Attendez, il y a le docteur Traoul, il voulait m'appeler. Deux secondes. Je l'appelle. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, allô docteur? Oui? Non, aucun problème, c'est juste que j'ai un petit problème avec la police là. Oui, dites-moi. Non, du tout, c'est-à-dire que beaucoup de choses se sont passées, notamment je suis poursuivi. C'est-à-dire que mon ami Jean s'amuse à, comment dire, narguer la police, je crois. Oui, donc désolé, je dois raccrocher, on me pointe avec un fusil à capitaine, oui, mais c'est le capitaine, c'est pas vous. Ouais, c'est pas moi, donc sautez dans le véhicule et partez avant que je vous arrête et que je vous foute en prison. Mais putain, mais c'est pas vrai. Pour quelle raison? On n'a pas le droit de vous suivre. Quelle raison? Quels sont vos droits? Rentrez dans votre véhicule et cassez-vous. Jean, il faut qu'on arrête là. J'en ai marre. Je veux pas y retourner. Allez, montez dans votre véhicule, c'est un coup de matraque. Et tirez-vous. Navré. Désolé, on recommencera pas. Allez vous faire foutre, les gros bâtards. On vous encule. Baise la police. Voilà, c'est bon, on y va. Yo, allez vous faire foutre. Yo. On vous baise. Rappelez-vous-en. Toi aussi, va te faire foutre. Putain, Jean, ta mère. Je prends chasse! Non, je veux vraiment pas y retourner, s'il te plaît, Jean. Jean, pitié, viens, on arrête. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Ça va, monsieur? Bonjour, monsieur. Oui, vous montez? Ouais. Vous voulez peut-être venir avec nous? Vous allez bien? Vous avez l'air d'avoir la voix enrouée, monsieur. Non, c'est monsieur ma voix normale, je m'appelle Baptiste. Mais vous savez qui on est? Ah, mais oui. Attendez, mais c'est... Attendez, je regarde depuis bien, mais j'ai l'impression de reconnaître ce gros crâne, là. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis Baptiste, qu'est-ce que vous racontez? Mais n'importe quoi, je suis. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi vous prêtez vos doigts? Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas de portarine? Je pars où, hein? Comme on dit. Vous voulez venir avec nous? Une messe dans 15 minutes. Une messe ou ça? Qu'est-ce que vous faites à me pointer du doigt? Où ça, la messe dans 15 minutes? On aimerait participer? C'est à l'église, la messe logiquement, après. Attendez, c'est quoi votre prénom avec la coupe bizarre là déjà? Moi c'est Jean. Jean Clanche. Ok, enchanté, monsieur Clanche. Enchanté. Vous... Ok, ok. En fait, je cherche un certain Farxénon. Oui. Farxénon? Farxénon, c'est un super vilain? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je l'ai rencontré récemment et j'avais dit que j'allais faire une petite affaire avec lui. Et Baptiste, je sais pas, et Baptiste, tire sur mon doigt. Allez-y, tirez, attends, monsieur. Attends, j'essaie. Vas-y. C'est bonjour. Et tu saurais nous amener à l'église alors? Ouais, vas-y, montez dans la voiture, je vais montrer ce que c'est. Tiens, on va à l'église, non? Ouais, vas-y, suivez-moi. Il a l'air sympa. Monsieur! Est-ce que vous avez des kits de soins? Qu'est-ce que
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des kits de soins pour nous, s'il vous plaît? Mais vous avez l'air d'aller bien. Non, mais on aime bien. On aime bien. Bon, je vais pas arrêter la chose. Merde! On rigole, monsieur, on rigole. Non, vous parce que. Vous venez à l'église, monsieur le MS? Non, je vais pas à l'église, moi. Pourquoi? Bah, le seul Dieu qui existe, c'est moi. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Il est trop fort. Si vous croisez ce monsieur Xenon, j'ai une dette envers lui. J'avais promis 1,3% et je sais pas où il est. Monsieur Xenon? Ouais, c'est bien ça. C'est pas plutôt l'empereur? Je sais pas, honnêtement, je me souviens plus trop. Phare Xenon, je vais s'appeler. Comment s'appelait déjà l'empereur? L'empereur Xenos? Ah ouais, peut-être, c'était peut-être ça. Ouais. Je sais plus, honnêtement, vous le connaissez? Ouais, je vais vous le montrer. Vous voulez que je vous le présente? Ouais, ouais, allez-y. Ok. Putain, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part, mais vous êtes des gens encore plus bizarres que vous. Bonjour. Ah, mais c'est vous, monsieur Xenos? Empereur Xenos. Ouais, empereur, excusez-moi, tenez, j'ai 1,3%. Génial. Génial. 1,3%. Oh, vous êtes sorti? Ça s'est passé comment dans la grue? Bah, évidemment, un peu mieux, je vais vous dire. Vous avez sauté en parachute? Ouais. Ils m'ont écrasé et tué. Est-ce que je peux avoir plus que 1,3, mais 1,1? Bah, jusqu'à là, rendez-moi 700 dollars. Ce sera mieux. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Eh hey, oh! Prends chasse! On y va. Merci, merci. Et, on prend Xenon. Ouais, je les vois, ils sont là-bas. Ok, il faut pas qu'on les perde. Oula, accident. Bougez-vous! Poussez-vous. L'empereur Xenon n'attend pas. Comment dire? On les a perdus. Ils sont là. Je les vois. Ils ont pas de meilleur moteur comme nous. Dégagez! Oula, oula. Oula. Comment te dire? Ils sont à droite, ils sont tournés à droite. Des concurrents. Direct. Des ennemis. T'as des super-héros? Nous sommes quoi là? Qu'est-ce qu'on est là? Nous sommes super-héros ou super-vilains? On les a perdus. On les a perdus. Merde. Et c'était qui alors ce moustachu? Mais n'oubliez pas que nous avons un entretien pour les stagiaires. Oui, c'est vrai ça. Mais j'attends le rappel. Retirez votre masque. Baptiste. D'accord. Dépêche-toi. Attendez. Attendez, je le retiens. Oui, oui, dis-moi, Jean. Ça va? Ça faisait longtemps. Oui, ça va. Ok. T'as fini ton temps? Oui, c'est vrai. 6 minutes, mais ça devrait le faire, je pense, le temps que les stagiaires appellent. Attendez, je mets la ceinture. Oui, bonne idée. Elle était mal attachée. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Oula. Messe à l'église. Ok, il faut y aller. Oh, bon. Faudrait peut-être y aller. À l'église, attendez, laissez-moi regarder le GPS. L'église, alors, animalerie. Oh, parfait, tu as trouvé, je n'y arrivais pas. Oula. Oh là, j'ai cru avoir tout cassé. N'oublie pas de manger, hein. Non, ça va. 8 pages. Comment dire? Oui, voilà. Oula. Dans 5 minutes, j'aimerais bien que les super-héros... Oula, la police! Doucement, Jean. Je veux pas qu'on soit arrêté pour excès de vitesse. Oh, ça y est, c'est trop tard. Oh là là! Ma tête. Non, c'est bon. Ça devait pas être pour nous.
J'ai vraiment peur, Jean. Tu vois, c'est pour ça que ce vaisseau spatial, il est vraiment bien. Tu l'as trouvé où? Oh, j'entends des chiens. Oh, ils sont là. Ah, ils sont partis. Et on les a perdus. Vraiment trop nul. Tu vois, c'est pour ça que ce vaisseau spatial, il est trop bien. Super génial, trop cool. Youhou! Comment on va descendre? Oula. Et tu penses, le stage, c'est avec les super-héros ou les super-vilains? C'est les super-héros. Merde, vite, allons à la messe en attendant. C'est après ça va, on a le temps. Messe. Oui, on a le temps. Moi, faut pas que je me fasse voir pendant 4 minutes et on est bon. Oh, ce serait pas Monsieur Pichon? Monsieur Pichon? Monsieur Pichon? Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Bonjour, c'est... Ça va? C'est ben Jean bon et Baptiste. C'est Jean et Baptiste, vous nous reconnaissez? Bonjour, monsieur! Bonjour! Non. Est-ce que vous pouvez me soigner, s'il vous plaît, madame? De même, madame. Venez avec moi! Bonjour, ça petit va? Accident. Vous êtes Pichon, c'est ça? Oui. Dites-moi, mon jeune ami, vous avez l'air d'être dans une tenue peu adéquate pour sortir dehors? Comment vous dire? J'ai eu quelques petits problèmes de justice, mais je me suis repris. C'est bon. D'accord, très bien. C'est-à-dire que vous êtes repris... Merci, madame. Plus, vous êtes formidable. Oui, c'était nul. Oh, bah, pas de soucis. Moi, si là, je peux aider les autres... D'accord. Enfin, je vais payer. Vous êtes formidable. Vous n'êtes pas parti présentement sans autorisation. Qu'est-ce que c'est que ce manteau? Non, pourquoi j'aurais fait ça? Vous avez fait ça? C'est ma tenue de motard. Cool. Ah, ok. Et ouais, ça marche, je suis un honnête citoyen. Attendez, venez avec moi. Je crois que je vous l'ai déjà vu. Je m'appelle... Comment... Attendez, laissez-moi faire un essai. Oui. Oui, un petit essai. Ok. J'appelle quelqu'un. Oh, hello. Oui, Mysterion. Mysterion, ouais, j'écoute. Ah, je voulais vous appeler pour savoir où vous en étiez et comment ça se passe pour vous. Ça se passe bien, et vous? Bah, très très bien, oui. Vous êtes comment? Vous êtes en mission, là? Il y a beaucoup de crimes, là, en ce moment. Ouais, je suis en mission. Ah ouais? Vous avez arrêté des crimes, aujourd'hui? Oui, énormément. On a aussi fait un petit tour dans la prison. C'était formidable. Ah, très bien. Bon, et vous avez réussi à sortir sans encombre, légalement, ou... Oui, absolument. C'était juste une visite. D'accord. Et vous en êtes où avec vos invasions, là, et tout ça? Ça dégénère. L'empereur Xenos est arrivé ici, sur la planète. Il nous recherche. Ah, monsieur Dalmatien? L'empereur Xenos. Eh ben oui, mais c'est lui! La planète Galliard. Et c'est lui, l'empereur Xenos, c'est monsieur Dalmatien! Je ne sais pas qui c'est, ce monsieur. C'est monsieur au chapeau rouge. Celui qui marche, le marchand de vin. Je ne connais pas. Je vous en ai parlé hier. C'est pas grave. Vous voulez qu'on investisse? Eh ben oui, il faut enquêter. Il a un hélicoptère, il a un appareil d'attaque. Il faut s'occuper de ça. Il faut lui dérober. Quand vous voulez, je suis en train de monter une équipe de stagiaires. Très bien, parfait. Oui, bon, on se recontacte alors. Très bien, je vous remercie, monsieur Pichon. Ça va, salut. Non, mais arrêtez. Non, mais vous inquiétez pas, ils sont... Bon, du coup, si, ouais, excuse-moi. Oui. Et donc, tu vas à la messe? Oui, là, il y a la messe. Vous avez vu une Lucie, elle. D'accord. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Bon, bah, on va y aller ensemble, alors. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous avez aperçu une Lucie Hellman? J'adore votre uniforme. 70, parfait. Oui, je sais, on s'est déjà croisés. Ah bon? C'est Jean, c'est ça, oui, Jean. Oui, je m'appelle Clanche. Jean Clanche. Par contre, je reconnais cette voiture. Oui, c'est ma voiture, oui. Comment ça, c'est votre voiture? C'est la voiture de l'empereur Xenos. Non, c'est ma voiture. L'empereur Xenos? Monsieur Jean. Vous êtes en train de me dire que vous êtes l'empereur Xenos? Non. Non. Il a dû la voler, je sais pas. Vous me faites peur. L'empereur Xenos est dans les parages. Attends, je reviens. Viens, bien. Monsieur Jean. Ouais. Je vais aller. Regardez, je suis de retour. Monsieur Jean, je suis de retour. Ça y est. Ah, très bien. Vous pouvez changer ce costume à trace? Non, c'est mon costume de vie. Merci. Merci. Comment osez-vous faire ça? Qu'est-ce que vous faites? La messe. Je vérifie le propriétaire de ce véhicule. C'est moi le propriétaire. Ce véhicule appartient à Jean Clanche. Exactement. Et lui-même. En effet, c'est bien le vôtre.
J'ai dû confondre. Disons que ce genre de véhicule, voilà, quand poussez-vous. On l'aperçoit une fois, on poussez-vous, s'en souvient. S'il vous plaît, allez, poussez-vous, poussez-vous. Alors, c'est à moi de vous dire poussez-vous. Non, d'accord, monsieur, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas la loi ici. C'est les super-héros, la loi. C'est les super-héros, la loi. Oh non. Ok, c'est la loi. Est-ce que vous êtes Mysterion? Est-ce que l'un de vous deux s'appelle Mysterion? Non. Je m'appelle Jean. Et moi, c'est Baptiste. Le seul héros ici présent de cette ville, c'est Mysterion. Et il n'a pas un acolyte par hasard? Il n'a pas un acolyte, hein? Est-ce qu'il n'aurait pas un acolyte? Et tout le monde oublie Doberman, mais Mysterion serait rien sans Doberman. Oui, t'as raison, Jean. Attends, il y a beaucoup de monde ici. Oui. Oh. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Alors. Par là. Bonjour. Désolé, vous êtes près de ma voiture. Oh, vous avez un accent. Vous avez un accent Oxford. Je viens de France. Je suis français, mais j'ai eu des problèmes de l'autoroute. J'étais sur la moto, j'ai eu l'accident de la route et c'est le. Je me suis réveillé du coma avec l'AVC et je parle comme ça depuis. Ah, vous voulez savoir qui je suis, moi? Ouais. Je suis Mysterion, membre des unités d'élite des ganglions. Mon vaisseau s'est écrasé ici lors de la mission Kryptonite, volume 2 du secteur 41. Je défends la galaxie contre la menace de l'invasion extraterrestre électronique Moldu B12, ennemi juré des meilleurs Avengers. Attends, je comprends pas ce que vous dites. Qu'est-ce que cela signifie, là? Vous êtes là, vous avez la petite voix de l'enfant. Oui. Je parle. Oula, je vous mettez le masque, vous dites que vous venez de là-haut, là? Oui, bah moi je suis Jean Clanche. Jean Clanche? Oui. D'accord, je suis je m'appelle Timothy. Qu'est-ce que vous faites, Timothy, dans la vie? Je suis dans les transporteurs de fond. Oh, on pourra très bien s'entendre. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? Pas de soucis, mais comment ça, vous voulez bien m'entendre? On va bien s'entendre? Bah si vous transportez des fonds directement... pour la guerre terrestre contre les aliens. Guerre terrestre, mais de quoi parlez-vous? J'ai besoin d'en savoir plus. Mais peut-être en parler dans un endroit plus discret. J'ai l'impression que la police rôde dans les parages. Alors. Mais ce sont mes alliés. D'accord. Alors, je m'appelle Timothy Lambert, mais oui? vous pouvez m'appeler Tim. Et le numéro c'est le 555-1316. 1-3-1-6. 13-16. 13-16, yeah, got it. Alors, je vais prendre ton numéro aussi. Yes, I'll give it to you right now. Give me a second. Oh, vous avez le bel accent de Oxford aussi. J'ai fait Oxford, yes. Oxford, d'accord, je suis plus de London. Ça fait plaisir de voir un peu de Oxford English à Cambridge. I did Cambridge. Harvard. Oh, okay. You know, the best schools. I'm from Paris, Jean, but... Jean, essayez-moi. Oula, pardon. Attends une seconde, je donne mon numéro à ce jeune homme venu de Oxford. De France, j'ai juste l'accent de l'Oxford, mais je viens de la France. C'est ça, 555, je m'appelle Jean Clanche, 1354. 1354, d'accord, it's right down. Et Jean Clanche. C'est exact. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur le bizarre. Merci. You too. See you soon. Je reviens. Et vous allez faire la messe, vous aussi? Exactement, oui. Connaissez-vous le Father? Non. Je le connais pas non plus, j'ai peur un peu. Oh, faut pas avoir peur. J'espère, je suis venu, j'ai pas d'armes, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va nous arnaquer. D'armes? Vous voulez rentrer dans une arme avec une messe? No, c'est pour ça que je n'ai pas pris d'armes, mais ça me fait peur. Ouais, viens voir. Ouais. Viens vite. Excusez-moi, Timothy. Pas de soucis, Tu te rappelles quand on est arrivé en ville et que on a volé, on a emprunté un camion? Ouais. Et bah c'est à lui à qui on l'a emprunté là-bas, celui qui traverse, tu vois. Qui ça? Non. Qui? C'est lui. Lui? C'est Patrick. C'est lui? Oui, c'est Patrick. Oui, c'est lui. Mais je suis pas Patrick, moi je suis Jackie, moi. Oui, c'est lui. Mais... Voilà. Tu t'en souviens? Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous arrivez des... Capitaine! Oui, ça arrive. Bonjour, monsieur le capitaine. Bonjour, capitaine. Oh, le tutu. Oh, joli chien. Bonjour, madame. Enchanté. Oh, mon fils, tout va bien, monsieur le capitaine? Ah, mon père, comment allez-vous?
Bah écoutez, ça va bien, mais vous avez l'air un petit peu... Eh, c'est bon. Jean, j'ai pris son numéro, tu pourras la draguer après. Elle est veuve en plus. Je suis veuve, hein. Oui, justement. Je fais encore le deuil. Bonjour. Ok. Ça veut dire quoi, draguer? C'est un mode de... Bonjour, monsieur. Tu lui envoies ton zizi. Bonjour. C'est à vous, la moto, là-bas? On est devant une église, monsieur. Mais non, il y a un coma. Mais enfin. Oh non. Appelez Mysterion. Appelez Mysterion. Désolé. Quelqu'un appelle Mysterion. Vite, appelez les super-héros. C'est le pasteur. Appelez les super-héros. Appelez les super-héros. Appelez les super-héros. Quelqu'un. Absolument mauvais. Appelez les super-héros. Appelez les super-héros. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors. Casse-toi de là. On peut pas. C'est que... Attends, j'ai une idée. Oui. Si on se baladait tout le temps à poil, comme ça on aura juste à mettre nos vêtements pour devenir Mysterion. Et Doberman. Oui, mais on finira souvent en prison. On finira souvent en prison. Regarde. Comme ça. Comment tu fais? Ah, tu décoches les cases. C'est quoi? Comme ça. Les bizarres de le... C'est tout le sur la route. C'est le problème c'est des bon, vues. Oui, comme ça, oui. Et c'est bon, là. Et là, on le voit, ouais. Là, et là, Non. Tiens ça. Voilà, là, on y va comme ça. Et en cure, et comme ça, on aura juste à mettre nos vêtements. J'ai pas de chose. Cachons-nous. Pourquoi y'a un mec à poil? Ton véhicule est en dessous du mien. T'es sûr? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous avez mon véhicule? Hein? Qu'est-ce que vous faites là? À nous copier? Hein? Tu lui fais quoi des doigts d'honneur? Descends là. Descends là. Copieur! T'es un super-héros? Non! Ça va? Jean, il m'a fait mal. Dis-moi, attends. Faut qu'on sache. Jean, je crois que la messe va commencer. Non! Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous foutez en caleçon au milieu d'un croisement de la route, non, putain! Non, regardez, il a des chaussettes, il est pas tout nu. Oui, vous voyez, j'ai des chaussettes. Putain! Bon, qu'est-ce que vous faites là? On va se changer. Non. Oui. Oh merde, c'est maintenant la messe. Vite, on va se changer. Ok, on va se changer, on arrive. Vous venez pas à Walper à la messe? Vite, je suis la même. Ouais, c'était vraiment une bonne idée, mais je t'ai dit, on va sûrement finir en prison. Est-ce qu'on y va en tant que super-héros ou pas? Ce serait stylé des super-héros à la messe. Ils vont sûrement parler de nous après. On n'a plus le temps. Si, vite, enfile un masque. Vite ton masque. Ça va, ils en parleront sur moi. Pas de masque. Oula. Monsieur. Et vous avez un fusil pour chasser à la messe? Non, monsieur, si je pouvais l'enlever de mon dos, je l'aurais fait, monsieur, mais je crois qu'il est très très bien attaché. Vous pouvez pas le mettre dans votre coffre, monsieur, le fusil? Je peux essayer. Ah d'accord, ok, sinon je suis rassurée alors. Ah d'accord, très bien, mais il faut vous la rassurer, pardon. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un peu comme un ange gardien. D'accord, ok. Non mais j'ai un peu peur des choses.
Je vais juste vous demander de changer de t-shirt parce que je ne compte pas baptiser des personnes avec un t-shirt vodka. C'est vrai, oui, il a raison, il faut être quand même bien un habit. Attendez, au pire, vous vous déshabillerez, vous inquiétez pas, regardez, comme ça. Hop là. Hop, fermez un peu les yeux. Vous déshabillez, purifiez-nous. C'est bon. Ok. Bon, écoutez, ce que moi je vous propose, c'est d'effectuer votre baptême peut-être une autre fois, parce qu'à l'heure actuelle... Non, j'aimerais vraiment le faire devant vous. Écoutez, vous êtes dans mon édifice, c'est un édifice religieux, je vous prie d'un petit peu de respecter ceci, s'il vous plaît. Veuillez réenfiler vos vêtements tout de suite. Mais c'était pour le baptême, vous m'avez dit. Non, je n'ai pas confirmé que je le faisais maintenant, ma messe va commencer dans un instant, je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît, voilà, d'écouter mon prêche si vous le souhaitez, et surtout de vous rhabiller. Mais me baptiser devant la foule, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. On pourra reconvoquer la messe parce qu'il y aura plusieurs messes, et auquel cas je serai très heureux de vous introduire à notre fantastique religion devant tout le monde, il n'y a aucun problème. Très bien. C'est vrai, je pense qu'il a raison. D'accord. Salut. Merci de nous saluer. Je vous salue de même. Avec plaisir. Merci. Le plaisir est partagé. Merci encore, monsieur le pasteur. Hein. Et veuillez vous réhabiller, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je ne trouve plus mon t-shirt. Je vous prie de le rechercher et ensuite de prendre place. Est-ce qu'on peut être vos enfants de cœur, s'il vous plaît? C'est possible, mais je vais en parler là tout de suite. Veuillez prendre place, je vais bientôt commencer ma messe. Oh, bien joué, Jean, ça. Très bonne idée. Oui. Oui. Quand il disait prendre place. Jean, relève-toi. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, la saigneuse, là? Mais moi j'entends pas du tout le. J'entends pas du tout le prêtre. Regardez, c'est pas impressionnant ça. Y'a pas de soucis, je vais commencer tout de suite. C'est tout possible, mais vraiment j'ai vraiment très peur. Amen. Tchika tchika ya ya. Tchika tchika ya ya. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Quel est ce bruit? Je suis assez rassuré. Je peux m'asseoir ici, madame? Oui, bien sûr, allez-y. Un peu de silence là, non? La technique F6 a été impliquée. Est-ce que vous pouvez lever les mains si vous m'entendez, s'il vous plaît? C'est moi. Je vous entends, Perk. Sur n'importe quoi, vous allez vous monter à l'envers. S'il vous plaît, monsieur le chien, il s'excuse, il ne recommencera pas. Je m'excuse. En fait, j'ai mangé un bout de sanglier cru et... Blasphématique. Apparemment, sûrement on accompagne quelqu'un à l'extérieur. Non, il s'excuse. Pardonnez-lui, il ne recommencera pas. Je suis exilé. Ils m'ont exilé. Bon courage. Je reviens. C'est l'heure de se changer, les gars. Parfaite occasion. Bon, tu l'ouvres ? Ouais. 34 joueurs ? Putain, c'est faible, hein. C'est vraiment faible. Retour de Mysterion, les gars. Vous attendez tous. Hey, friend. Mysterion. Mysterion arrive. Attendez. Reste là-bas. La chorale. Il y a la chorale là ? Il est peut-être d'accord pour la chorale. Il a dit qu'il va faire une chorale. On peut peut-être y aller. Ok. Ok. Je raccroche. Je crois que je le dérange. Mysterion arrive. Hello, friend. What's shaking? Thank you.
réellement, je suis très heureux de vous apporter quelque chose. Merci à vous. C'est vraiment un scandale. Écoute-moi, exactement, c'est ici le buffet. Tenez, madame. Okay. Finalement. Exactement. Non, ce n'est pas sa volonté, mais nous sommes une église, une communauté d'entraide et d'amour. Mystérion, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Daniel Kroot. Ouais, j'écoute. Oui, vous m'avez appelé tout à l'heure parce que vous aviez besoin de stagiaires et maintenant on est là. Ok, rendez-vous à la messe, je suis là, avec tout le monde. Où ça, pardon? On est à la messe, messe de la Santos. À la messe? Ah d'accord. Vous pouvez nous envoyer votre localisation? Je vous envoie ça tout de suite. Super, merci beaucoup. Oh, raison, tous les fils de Dieu, quelle que soit leur confession, il n'y a pas de problème, zéro discrimination, que de l'amour. Non, encore une fois, je l'ai dit, je n'ai pas pu traiter avec monsieur de Montazac pour le vin, donc malheureusement, je n'ai que de la bière. Ah bon? Eh ben écoute, j'écouterai vos conseils avec grand plaisir. Tenez, monsieur le capitaine. Je bois la bière avant, quoi. Avec grand plaisir. Blanc, juste à côté du carreau cheveux roses. Ouais, qu'est-ce qu'il vous dit? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à l'hôpital. Moi, oui, je l'ai soigné. Vous avez lui, il n'était pas forcément très content des soins. Et il a commencé à me braquer avec une arme, monsieur. Vous êtes un cette bière étanchée votre soif. Et là, je voulais reprendre un peu à retrouver près de l'église. Avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, je suis tout à fait disposé à vous écouter dès maintenant dès que j'aurai servi les autres. Je suis de retour, vous m'avez parlé de l'empereur Xenomys. Pas de problème, avec grand plaisir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Doberman au rapport. Mysterion, je suis un grand fan. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Et Doberman et Doberman. Eh bah écoutez, prenez ceci. Voilà, c'est Doberman aussi. C'est pas un équivalent, mais ça aidera peut-être à apaiser votre cœur. Monsieur Thomas, n'hésitez pas à m'appeler si jamais vous avez besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous écouter, je peux peut-être même toucher. J'avais beaucoup à gérer près de ma galaxie. Ah, je comprends. Non mais je vous fais confiance, je vous laisse vos activités, bonjour, monsieur Mysterion. Je vous rappellerai si jamais il y a des problèmes. N'hésitez pas. Ouais, tenez, merci monsieur tenez, pour tenez, votre je service. Je suis très généreux ce soir, j'avais tout prévu, tenez. Étanchez votre soif, buvez, faites-vous plaisir. D'accord, plaisir. Enchanté, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Pardon? Exactement la cuve. Vous savez, est-ce qu'on peut trafic de kits de soins? On a des kits de soins à l'hôpital, je vous ai foutu sur pied une fois, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Un prix. Emprunter de la gueule. Monsieur l'agent. Ah bon? Comment ça? Est-ce que vous voulez parler de alors? Le docteur Traul vous vend des trouches de soins? Non, rien. Il nous en prête. Vous en prête? Et vous, Cécile? Désolé. Non, mais c'est normal le prêtre là. C'est normal. Daniel Kroot? Oui, c'est moi, bonjour. Oh, vous n'avez pas de masque? Ah, on a. Si, attendez, on met les masques. Mettez ton masque. Dépêchez-vous. Je mets mon masque. Jean Planche, c'est bien vous? Voilà. Je suis Mysterion. Qui est Jean Planche? On est des super-héros, on craint pas les voitures. Mais moi, je cherche pas vous en fait. Ok, suivez-moi. Y'a tout le monde. Ah, bah ouais, là. Vous êtes en retard, les gars. Capitaine. Incroyable, regardez-moi cette tête de chien. Bonsoir, merci pour votre service. Il s'est passé quoi? Ben, c'est une messe à la con et à la fin ils ont filé une bière. On va entraîner des nouvelles recrues. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai pris une. Ça veut dire que dans 10-15 minutes, je vous mets en prison, c'est ça? Négatif. Ok, bon, on va voir ça alors. A tout à l'heure là. A tout à l'heure. Si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à m'appeler. Au revoir, monsieur capitaine. A tout à l'heure. Mais sérieux, il n'y aura jamais la place pour tout le monde. Exactement, c'est pour ça que vous allez me suivre. Mais non, mais mon cousin, il n'est pas là pour... Daniel Kroot, il est où votre cousin? Eh ben, il est parti parce qu'il devait voir un médecin. Ok. Ah voir. Ouais? Venez voir. Waouh, il est trop fort. Personne en question n'a plus l'air de vouloir vous côtoyer, monsieur. Ah, sérieux, il serait mieux pour vous. Discuter avec elle afin de ne pas la... Alors, je crois qu'il est fermé. On dirait pas parce qu'il y a beaucoup d'air qui arrive dedans. Non, mais contre votre cousin. D'accord. Vous avez un nom de code? Je faire, moi. Ah oui, c'est vrai. Moi, je veux juste valider mon stage, moi. Et si on l'appelait Crouton? Crouton? Mais non, moi, c'est Kroot. Crouton, ce serait ton nom de code. Crouton, ce serait terrible, son nom de code. Et l'autre? Bah, Crouton, ça ressemble à Kroot, du coup, je suis pas sûr que ce soit un code du siècle, quoi. Vous là! C'est ce qu'on fait.
Ah d'accord, bon bah... Vous avez la carrière d'un super-héros. Ah ouais ? Vous voulez devenir un super-héros ? J'ai pas les clés. Pourquoi pas, ouais. Ok, on est en train de faire un stage là. Vous voulez venir avec nous ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Circuler, okay, vous allez bloquer toute la route. Passez en voiture. Passez en voiture. Parce que vous allez bien. Excusez-moi, mais je vois que vous avez eu quelques contusions. Est-ce que tout va pour le mieux ? Oui, on m'a roulé dessus tout à l'heure, mais ça va mieux. Ah, pardon, veuillez m'excuser. Ils sont en masque. Oui. Madame, je vais prendre vos coordonnées. Non, monsieur, vous aviez raison, je juste. Attendez, regardez, monsieur. Ah oui, d'accord. Oui. Donc ça va mieux, vous êtes sûr ? Oui, tout va bien, merci. Merci de vous en inquiéter. Oh, bougez pas, prenez-moi cette. Vous êtes monsieur ? Après, un chat, on s'hydrate. J'ai un masque, mais pas en service. Faudra que vous êtes nom, prénom, nom de code et numéro de téléphone. Qui dit West ? Qui dit West ? Ouais. Moi, c'est Doberman. Là, incroyable. Et nom de code Kiwi. Nom de code Kiwi. Mon numéro, c'est. Attendez. Bah, moi, c'est Crouton, visiblement. On va t'appeler le Flamant Rose. Et c'est 6706 mon numéro. Magnifique, mystérieux. Super nom de code. Le Flamant Rose, je vois pas pourquoi. Non, Flamant Rose, tout court. C'est trop long, le Flamant Rose. Et toi, c'est quoi ? Doberman. J'ai un des intergalactiques. Je suis Mystérion. Voici mon acolyte Doberman. Et voici Crouton, nouvelle recrue. Du coup, il vous faut un costume. Ok, vous voulez que j'aille chercher ça tout de suite ? Ouais, et je vous appelle. Ok. Prenez mon numéro au cas où. Prenez mon Allez-y. Numéro. Mystérion, 1354. Ok, merci. Je vous rappelle, monsieur. Okay. Ah, vous me rappelez et on se capte, quoi. Exact, exact. Prenez votre costume, le stage va bientôt commencer. Oui, chef. Oui, il adore le chien. Il veut aussi faire le stage ? Non, il veut pas. Eh ben, je cherche un costume, mais j'arrive. Il m'a donné un truc. Oh, j'ai trop hâte. J'ai tendu pas trop bien. Et du coup, le stage, il va consister en quoi ? L'entraînement et voir vos capacités. Tout super-héros doit avoir une capacité spéciale. Quelle est la vôtre ? Moi, je peux faire des syncopes sur commande, regardez. Très bien, elle joue de mort. Elle joue très bien de mort. C'est pas mal. Oui, mais ça sert à quoi, Mystérion ? Je comprends pas là. Ça peut très bien. En fait, l'avantage, c'est que quand ça arrive, mon corps devient tout mou et je ne peux plus prendre de dégâts. Oui, elle peut esquiver les balles. Oui, c'est il, hein, parce que je m'appelle Daniel Crouton. Eh, c'est pas votre cousin là ? Ouais, c'est mon cousin. Elle a le même pouvoir. Eh, Antoine ! Oui, on a le même cousin, le même pouvoir. Pardon, c'est l'émotion. C'est une famille. Ah, mais c'est pas ouf du coup. Attends, c'est vos amis aliens, ça ? J'ai été remplacé. On n'est pas des aliens, on est une bande de super-héros maintenant, vous allez nous respecter. Ah, ok, ok, désolé, je vous ai confondu avec d'autres gens qui sont des aliens. Attention, est-ce qu'on peut avoir un masque, s'il vous plaît, ici ? Vous voulez avoir un masque ? Mets ton masque, Antoine. Bah ouais, mais moi, je sais pas si je veux, ils sont bizarres. Tu l'appelles pas Antoine, fais gaffe. Vous pouvez me faire... Vous pouvez me faire une danse de super-héros ou un truc comme ça, une choré que vous avez ? Tiens, pas cette danse là. Allez, les gars payés. Oh, ils sont violents ! Allez, super-héros ici. Voilà, plus les super-héros. La justice mais avant Antoine tout. Antoine le sait ! Putain, il est pas un super-héros lui. Lui ? Et toi là ? Oui ? T'es un super-héros ? Oui. Suis-moi. T'as un véhicule ? Moi ? Ouais. Je crois qu'il parle à toi. Bah, j'en avais un, mais on me l'a volé. Casque-tron, par ici. Casque-tron ? Règle fast. On va t'appeler Casque-tron. Oh pardon. Ok. Non. Ouais, bonsoir. Je vais prendre nom, prénom, casque et nom de code. Nom, prénom, casque. Ok. Go fast. Go pas fast, mal. Numéro de téléphone 3363, mec. Tu m'appelles si t'as besoin d'aller vite. Ils ont pouvoir. Ils pourraient te transporter. 3363 ? Comme flash. 3363 ? 3363. Ok. Tu veux faire un stage de super-héros ? Ouais, j'ai pas le temps de faire un stage, la vitesse m'appelle, mais... Et donne-moi ton numéro, c'est toi le chef des super-héros, là ? C'est moi le chef, je m'appelle Mystérieux. Vas-y, file ton numéro, là, je te rappellerai. Voilà, plus, les gars. Mais non, attends ! Je suis Mystérion, membre des unités d'élite des ganglions. Mon vaisseau s'est écrasé ici, lors de la mission Kryptonite volume 2 du secteur 41. Je défends la galaxie contre la menace de l'invasion extraterrestre électronique Moldu B12, ennemi juré des meilleurs Avengers. Et voici mon acolyte, l'incroyable et indémodable
Doberman. Il connaît bien son Bonjour, je suis Doberman, gère d'élite, descend de l'univers, espace de la galactique, fidèle du c'est quoi ton pouvoir, le chien d'élite? Quoi? Hein? C'est quoi ton pouvoir, le chien? Je ne peux pas lui dire, mystérieux. Ok. On ne dévoile pas ses noms de pouvoir. 1354. Fais-moi ton numéro, là. 1354. 1354, ok. S'il y a une douille, je t'appelle, mec. Je vais appeler le super-héros. Ok, parfait. Vas-y, merci, les gars. Bonne soirée. Bonne Faites soirée. Gaffe, parce qu'il y a pas mal de racailles ici. Hein. Faut les mater. Ouais. Vous inquiétez pas. Ok, on y va. T'as un véhicule? Non, toujours pas. On me l'a volé. C'est bon, t'as qu'à lui refiler ce véhicule, non? Non, non, va dans l'autre. Je vais l'emmener dans celui-là. Rentre. Si t'as pas de masque. T'es où? Rentre dans ce véhicule. Rentre. Rentre dans ce véhicule. Antoine! Comment tu... Quel est son nom de code? On a Crouton et Crouton 2? Par. Ah bon? Mais non, regarde, c'est bon, ils sont partis. Mais c'est Crouton 2? Crouton 2, suivez-nous. Suivez-nous. J'ai bien peur, mystérieux, qu'ils ne nous rattraperont jamais avec un véhicule pareil. Tâche à conduire doucement. Ne fais pas un faux plan. Ok, vous avez de l'argent? C'est pas vers eux. Vous avez de l'argent? Ils sont sourds. Vous avez combien? Moi j'ai 5000. Ok, suivez-moi. Parfait. Alors là. C'est bon, mystérieux, faut pas qu'on passe pour des nuls. T'inquiète pas. On doit représenter la justice. L'ordre. On les a perdus. Mystérieux, je crois qu'on les a perdus. Non, c'est bon. C'est une secte de super-héros. C'est pas une secte. C'est une ligue. C'est une ligue. Oui, on a une ligue, oui. Et tu parles à qui là? Je pense ça aussi. Une amie à nous. Mm-hmm. Parce que. Allez, venez voir. Il vous faut chacun une arme de corps à corps pour vous défendre. Mais non, je veux pas, au secours, je veux pas. Mais tu crois que des super-héros se battent comment? Tu crois que tu te bats comment quand t'as un super-héros? Mais moi je pensais pas qu'il fallait taper des gens parce que je pensais... Crouton 2, tu peux mettre un masque s'il te plaît? Sinon tu vas dévoiler ton identité. Ok, venez voir. Attention à la... Il vous faut une arme. Il vous faut une arme, ok. Ah mais c'est des vraies armes en fait. Non, on n'utilise pas des vraies armes, on utilise des fusées éclairantes. Hey. Dans pistolet, vous achetez... Détresse, monsieur Mysterion, détresse. Pistolet de détresse. Pistolet de détresse. Good day. Marrant parce que je le vois pas. Et prenez une arme. Et prenez une arme blanche. Moi j'ai déjà une hache. Pourquoi? Très c'est bien. Pas toi qui aimais pas les armes. C'était pour casser un camion. Non mais c'est... On a une vie. Ah ok. Une arme blanche. C'est bon, regardez ce que j'ai... Oula. Doucement, tu m'as distrait. J'ai acheté. Parfait. Qu'est-ce que j'ai une idée de... Tu m'en as une arme? Oui. Montrez votre arme, un mystérieux. On dira si c'est bon ou pas. Montrez votre arme. Très bien ça. Très bon choix. Un club de golf. Oui, on sait. T'inquiète. Mystérieux connaît. Alors moi j'ai jamais eu d'arme donc il faut me dire sur quel muscle c'est. C'est le muscle table. Ah bon? Et le muscle roulette. Ah mais oui bien sûr. Ah, sinon le très 1, connu. 2, 3, 4 sur le pavé numérique, même pas. Forcément, forcément. Là. Ok, et non, l'autre, ça c'est attendez. Le pistolet. Ouais. Mais je l'ai pas acheté. Mais non mais je suis bêta moi, les savez. Armes. Parfait. Vous l'avez dans la main là.
C'est pas une arme, c'est une fusée éclairante, c'est pour faire peur aux ennemis. Oui, non, pas du tout, pas du tout. Doberman, viens voir. Oui. Donne-nous un instant, donne-nous un instant. Donnez-nous un instant, il vous a dit. Okay. Non, non, venez voir, venez voir, venez voir. N'écoutez pas. Oui, dis-moi. Daniel, je sens pas. Bon, écoute. Oui, dis-moi. Écoute, mec. Oui. Tu m'entends ? Oui. Retourne-toi. Oui, oui, je t'entends. Retourne-toi quand je te parle. Ok, bravo. Ok. T'es passé super vite. Ils vont braquer la banque. Ouais. Non, emprunter, emprunter. Emprunter, emprunter, emprunter ouais. Pardon. Mais on va arriver comme des super-héros. Oh, c'était shit. Et on va aller. C'est incroyable. T'as compris ? J'ai tout compris. Ok, donc on va rester. Ok, exactement, t'inquiète pas. Ouais. Je l'ai, ça parfait. Aussi, moi, je... Ok, vous pouvez. Règle numéro 1, vous devez pas avoir peur. Ok ? Hey, hey. Oui. Vous devez être courageux si vous voulez être des super-héros. Ok, moi, là tu bouton. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur et juste de le cacher ? Oui. Oui, tant que tu affrontes tes peurs, ça me va. Ok, on va essayer, okay ça vous va la team Crouton ? Oui. Ok. Oui, la team Crouton, bien joué, monsieur Mystère, super nom. Allez, venez voir. Monsieur, c'est parce qu'on a les croûtes en vrai. La team Crouton, ça me rappelle un truc, mais je sais plus pourquoi. Par des youtubeurs ? Les croûtes. Ok. Vous allez rentrer dans la voiture, je vais vous donner un point de rendez-vous, ok ? Oui. Vous allez me suivre. Oui. Ok. Et attendez, j'appelle notre nouvel allié. Comment il s'appelait, les gars ? Comment il s'appelait ? C'est un super héros professionnel. Oui, non, mais bien sûr. Comment il s'appelait ? Je sais pas, mais j'ai cru voir Lucie passer. Quoi ? Je suis pas sûr. J'entends des coups de feu là. Oui. On entend des coups de feu, on y va. Dépêchez-vous. N'oubliez pas votre ceinture, Mister. Bien vu. Magnifique. Mister, ralentissez. On a perdu les genoux. Oulala. Quelle conduite dangereuse. Wallo, Mysterion. Hello, oh, Mr. Clunch. Mysterion, j'écoute. Ok, on s'est croisé devant la messe. Aïe. Je suis le transporteur de fonds. Vous avez peut-être... Oui. Vous avez dit que mon métier pouvait peut-être vous intéresser dans la quête... Oui, qu'est-ce que vous pouvez proposer de, comme boulot si je vous dis que je suis transporteur de fonds? Vous avez dit que c'était peut-être utile pour quelque chose. Oh là là, vous allez bien? Ça va, oui. Je suis un peu occupé là en ce moment. J'ai pas trop. Dis-vous, il est au téléphone. Ok, pas de soucis. N'hésitez pas à me recontacter quand vous avez besoin de moi. Allez, bonne continuation, monsieur. Vous faites des bruits bizarres quand même. Merci, oui. Allez, on. Parfait. Mister Jean, tu es le collaborateur? Non. Non? Non! Il est au-dessus. Tu j'appelle quelqu'un? Il est au-dessus, le collaborateur? C'est lui qui va faire. Pourquoi il est au-dessus? Il doit venir. Qu'est-ce qu'il attend? Attendez. Il a comment bien le klaxon? Oui, il est au-dessus. Ok, faites voir un peu. Oula, qui a fait ça? Ok, Flamant Rose, sortez de la voiture. Très joli costume. Merci, je suis sûr que ça allait vous plaire. Ok. Oui, je range mon arme. Vous avez une arme? Ouais. Faites voir. J'ai qu'un pistolet et mon fusil dans mon fusil. Magnifique déguisement. Très bien, très bien. Parfait. Il nous faut juste un collaborateur, je crois. Ok. Allez, on y va. Tout le monde en voiture. Suivez-moi. Il a pas mis un autre. Bienvenue dans la Justice League. Non, je l'aime pas trop. Ah, tu m'as poussé. Pardon. Achète une radio, mais ça existe pas, les gars. Oui. Juste une chose, attendez. Oui, c'est vrai, justice, c'est bien la justice. C'est bien la justice, voilà. Oui. Donnez-moi un instant, je vais parler à Flamand. Flamand Rose. Ouais. Ok, viens voir deux minutes. C'est bien. Ah, c'est un vrai fusil là que t'as là. Bah ouais. On n'utilise pas des vraies armes dans les super-héros. Je vois le genre. Ok.
Il veut que je le prenne et que je fasse semblant de tirer peut-être? Non, 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 il va falloir que tu les déposes. Ok, d'accord. C'est un conseil. Ok. Ensuite, je vais le mettre dans le coffre. Ensuite, on va faire une mise en scène. T'écoutes? Attends. On va être payé? Non, les super-héros sont pas payés. Ok. Ah, on n'est pas payé? Non. On est des super-héros. Ah. Personne paye les super-héros. Ah, mais ça, attendez, ça change tout. Tu veux plus être un super-héros? Ah, bah on n'est pas payé. T'es pas un super-héros? Ah, bah si je suis payé, je suis chaud. Après, je peux pas vous payer. J'ai pas de revenus. Je peux vous donner des cryptons si vous voulez. Bah moi je préfère les euros, je vous avoue que c'est plus utilisé. Je vois, vous êtes motivé par l'argent, pas vraiment par la justice. Bah les deux me motivent, hein, mais l'argent un peu plus, oui j'avoue. Ok, vous voulez de l'argent? Bah je suis chaud. Ok. Braquez ce monsieur là. Oui. Je suis là pour la justice. Ah non, moi je tape pas, hein. Moi j'ai rien fait. Braquez qui? Je sais pas, il veut faire pas d'âme. C'est mon cousin, il a pris sa voiture. Oula! Oula! Ok, écoutez les croutons là, suivez-moi là. Allez. Dénique ce mystère, j'ai chopé la place. Suivez-moi, on va à une banque. Vous voulez de l'argent, on va à la banque. Pour la justice, pour la justice, voilà. Oula, pour la justice, belle justice, voilà, hop là. Belle justice. C'est pour la justice. Allez, suivez-moi. T'as réglé des trucs. Pardon? T'as tout est bon. Ça va être un... Ça va se faire. Ok. Tu penses que... Mais c'est qui alors le collaborateur? Je sais pas, mais il est armé. Ça peut être très dangereux. On pourra jamais faire les vrais super-héros si y a un mec qui est armé. Oula. C'est vrai ça. Tu veux pas lui dire de passer les larmes et tu t'en débarrasses? Il t'écoutera peut-être. Je crois qu'on l'a perdu. Ah si, c'est bon, il est là. Oh là là, doucement. Oh là là. Que vous faites? C'est un coup super-héros. C'est un coup super-héros. Ok. Complètement fou. Je vais appeler le lieutenant. Non, oh, on les balance, c'est ça? On les fait entrer dans la banque. Ouais. On prend. Oh, aïe aïe aïe. Oh là. Parfait, on est vite arrivé. Oh non! Vision plus gros. Mystérieux. J'écoute. Tu penses de la Pacific Bank? L'énorme banque. Comment sortir? Énorme banque. Ce sera plus sensationnel. Elle est où? Vous avez bien suivi? Rentre dans la voiture. C'était... On est fort. Non, bien non. Attendez, on va peut-être viser plus gros. Vous voulez tous de l'argent ici, c'est ça? Oui. Bosse tout. Ok, j'ai bien compris. L'argent pour la justice, bien sûr. L'argent de la justice. Il me semble. Moi ça me va. Oui, mais c'est pas sur la justice. Vas-y. Il me semble que c'est ici, non? Attends, c'est pas ça? J'ai peur de dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est là, non? Qu'en penses-tu? Chat. C'est bien ça? C'est la meilleure banque? Au pire, on va faire ça. Ok, remontez dans la voiture, suivez-moi. On verra bien sur place, et si c'est pas là, bah on revient ici. On ira emprunter ailleurs, quoi. Mais je crois que c'est là. Flamant rose? Ouais. Je peux vous charger de prendre un collaborateur otage. Je vais essayer, mais j'ai jamais fait ça, quoi. Vous avez jamais fait ça? Non. Ok, je vais le faire avec vous alors. Oula, Mysterion, faut pas qu'on se mouille. Je te rappelle. Ouais, je sais incarner la justice. Je sais. Oh, attention. Oh là là, la ceinture, vite. Allons vérifier à la banque si c'est déjà ça, non? C'est la bonne banque. Ah ouais, mais notre police y trace.
s'est rendu de la justice mobile. C'est n'importe quoi, mais bien sûr que ça va être n'importe quoi. Chat, sinon j'en prends un et genre j'en prends un deux et je le fais en otage, non? Lâcher la terre, faut trop de matériel? Ah ouais? Non, ça arrive avec Daniel, miel! C'est vrai. Oh, non, vous savez, ça arrive avec Daniel, miel! Ah, il faut du un matériel. Peu silence, puis ça a besoin de se concentrer. Miel aussi. Ouais, parfait. Vous avez trouvé la boîte banque? Putain, chat, je sais pas comment. Oh là là! Ok. Attends la vache. Oui c'est vrai. Tu vas prendre. Ah, il faut profiter de la vie. Ok. Alors, écoutez-moi bien. Nous allons emprunter de l'argent à cette banque pour la justice et pour la guerre contre les extraterrestres. Pour la justice. Pour la justice. Pour la justice. Et l'argent. Ah oui bah ça va avec la justice. Oui. Flamant rose. Tu vas braquer Doberman. Ok. Quoi? Les croutons, vous allez vous charger de prendre le coffre à l'arrière de la banque. Pendant que. Je te tirerai pas dessus. C'est où? Pendant que Flamant Rose tient Doberman en otage. Mais pourquoi le coffre? Ils ont fait quoi? C'était. Non, vous vouliez de l'argent? Oui. Vous voulez financer la guerre terrestre contre les extraterrestres de Moldu B12? Ah, vous voulez sauver l'humanité? Vous savez. Mes intérêts personnels, mais. D'accord, mais vous voulez sauver l'humanité? Oui. Ok. C'est pour la justice. Eh bah allez-y, rentrez dans la banque, braquez la banque. Je te parle. C'est parti, empruntez de l'argent. Vas-y Doberman. T'inquiète pas, allez, mets les mains en l'air, vas-y. Je te tirerai pas dessus. Je me sens pas putain. Mysterion, j'écoute. Mysterion, mon héros, j'ai besoin de vous. On a un braquage de banque. Où ça? Alors attendez, je suis en train de m'y rendre. Apparemment, c'est l'applica. Ok, j'arrive tout de suite. Parfait, merci beaucoup. Tenez bon. Mysterion, out. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais voir comment on devient un putain de super héros les gars. Je vais vous montrer moi. Oh mon dieu, j'espère qu'ils sont vraiment sérieux à l'intérieur gros. Oh merde.
Qu'est-ce qu'ils foutent? Michel, non, j'écoute. Mystérieux petit enculé. J'arrive. Gros bâtard de démon. Tu n'auras jamais tout à capoter. Ils ont merdé. Mystérieux, j'écoute. Capitaine Mystérieux, prêt pour l'assaut. Mystérieux, j'écoute. T'as pas l'air de comprendre. Doberman, t'as pas l'air de comprendre ce qui s'est passé là. Y a un mec, il est mort. Quand le coffre s'est ouvert, un mec a sauté avec l'explosion. Et l'autre, là, le gros ton numéro 2, il s'est barré. Et le mec, il a flingué. La flamme rose, il a flingué. Ok, il y a une seconde, une seconde. Je sais pas quoi faire là. Mystérieux, rapport. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, agent Thomas? Tout va bien? Tout va bien, c'est elle qui a braqué la banque. Non, c'est ok. Bon, maîtrisez-la. Maîtrisez-la. Oh, capitaine. Non, 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 il est avec moi. Oh, vous l'avez. Capitaine. Vous l'avez tué. Ils étaient combien? Ils étaient trois, mais Mystérieux n'était pas avec eux. Moi j'ai reçu un appel de l'agent Thomas pour venir sauver le monde. Vous l'avez tué? Non, mais on l'a même pas touché. Capitaine, vous l'avez tué, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu vas fermer ta gueule, toi. Wow. Relevez-vous, qu'est-ce que c'est une gueule? Elle est pour l'SMS, on a besoin d'un médecin. Thomas, agent Thomas, vous avez besoin de moi? On met le point. Je vais aller chercher les deux autres. Non, c'est bon. Ils sont partis vers où? Si vous pouvez essayer d'attraper les autres, j'en serais ravi. Ils sont partis vers où? Je sais pas, je les ai perdus. Elle va tout balance. Elle va tout balance. Dis-moi. Ouais, alors, le plan a capoté comme jamais. Comment dire? Tout se passait bien, arrivée de la police, le coffre explose, Crouton 1 explose avec. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Crouton 2 nous lâche et s'enfuit en courant en disant « Non, il faut appeler les secours. Flamme rose, malade mental, pourquoi tu l'as pris celui-là? Il a flingué Crouton 2. Je me suis enfui. Il a flingué Crouton 2, je me suis enfui. Envoie-moi ta position. En futur, casse-toi. Okay. Donne-moi ta position, je te rejoins. Putain, ton plan, il a merdé. J'ai la position. Ma position, je te l'envoie tout de suite. D'accord, Doberman.